Marie et je travaille pour Sopra HR Software depuis maintenant 8 mois. Il faut savoir qu'il y a encore un an, j'étais chercheur en philosophie des sciences. Donc c'est vraiment une reconversion totale. Mon arrivée chez Sopra HR Software, si je devais la décrire en 3 mots, déjà il y aurait la stimulation intellectuelle. Vraiment, on en apprend tous les jours et en plus on est là pour ça, donc ça tombe vraiment bien. Il y aurait l'entraide. On a vraiment des collègues et des camarades de promo qui sont vraiment là, on se serre les coudes tous ensemble. Si on n'y arrive pas, c'est tous ensemble. Et puis si on y arrive à la fin, c'est tous ensemble aussi. Une entraide immense. Et puis, c'est vraiment un travail très très sympa. L'ambiance dans les groupes de travail, tous ceux chez lesquels on peut arriver, est toujours très bonne. Ce que j'aime chez Sopra HR, c'est une vraie reconversion. C'est-à-dire que, voilà, il y a encore un an, j'étais chercheur. Mon parcours, c'est la philosophie, c'est la biologie. L'informatique, j'en avais jamais fait. Et on nous prend par la main. On va avoir un mois de formation. Notre but, ça va vraiment être d'apprendre, de découvrir. On a un CDI dès le début et c'est vraiment ça que j'aime. On nous donne les moyens d'y arriver. Entre la philosophie et l'informatique, on pourrait croire qu'a priori, il n'y a aucun rapport. On imagine toujours les philosophes avec leurs grandes perruques poudrées qui s'interrogent sur le sens de la vie. En fait, moi, en philosophie, mon travail, c'était de comprendre les concepts, c'est-à-dire de comprendre ce que font les copains en biologie, et puis ensuite de l'appliquer à d'autres choses. Et finalement, en informatique, on fait exactement la même chose. On essaie de comprendre ce que veut la personne en face de soi, que ce soit le client, que ce soit l'équipe, trouver quel langage va être approprié pour le transcrire, et puis se remonter les manches et le faire. Si je devais conclure, je dirais que quand j'ai commencé, quand j'ai décidé de me reconvertir, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Toi, tu es une philosophe. Et bien finalement, plus le temps passe et moins j'ai de regrets de jour en jour. C'est vraiment une super expérience.